Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter le résultat du glitch que je vous ai présenté il y a deux jours je pense, ou peut-être même hier. Donc j'avais mis The Best Glitch, The Beast from Beyond. Donc j'avais dit Best Glitch parce que franchement c'est le meilleur glitch pour passer les manches super rapidement. Donc là on est à la manche 182, on est à 2, donc à 2 c'est encore plus facile, c'est mieux. Après je sais pas si le cryptide il bug à 2, mais il faudrait essayer. De toute façon mon pote il a un Cronus, donc Johnny 34 il a un Cronus, donc il lance une grenade toutes les minutes, donc voilà, c'est programmé comme ça. Donc voilà, ça ne peut pas bloquer la manche, parce que nous on a un Cronus en plus. Mais voilà, si vous mettez à 2, il y a peut-être moyen, faudrait essayer que le cryptide il bug pas. Peut-être que le cryptide il bug pas si on a deux, donc il faut vraiment essayer. Donc là on est vraiment à 15 heures de jeu, moins de 15 heures de jeu, et on a fait 482 manches. C'est super super rapide quoi. Donc normalement le record là il est monté à 1100 et le record mondial il est monté à 1100. Donc nous on va essayer de niquer le record mondial, donc si on n'y arrive pas maintenant on le fera ce week-end. Mais voilà, normalement en 36 heures on est à 1200 quoi. 1200 facile en 36 heures, 1200 manches. Vous imaginez 1200 manches en 36 heures, c'est un truc de malade quoi. Donc voilà, c'était pour vous montrer le résultat. Donc si vous mettez à 2, il y en a un qui se met dans le coin ici, qui tire comme Johnny fait. Donc grosse dédicace à Johnny hein, bien sûr, je mettrai sa chaîne en description. Faut savoir que les manches durent 1 minute 20 ou 1 minute 30 à 2. Et en solo elle dure 2 minutes 30 la manche. Parce que voilà, les zombies doivent, enfin les cryptives doivent monter les marches. Là moi je tue les cryptives en bas des marches, donc ça fait accélérer un peu la cadence. Donc question kill, on est à peu près pareil, question kill c'est à peu près la même chose. Donc les tirs tête bien sûr on n'en fait pas beaucoup hein, parce que tout simplement il faut viser la tête du cryptide et ce qu'on fait pas. Donc voilà. Mais vous voyez que question kill, franchement 31 000 pour Johnny et 29 000 pour moi, donc ça suit. Donc au début bon, moi je tirais par là. Mais regardez, vous avez vu un cryptide qui a spawn. Et j'ai pas pu le tuer parce qu'il est spawn par là. Et je peux pas tuer les deux en fait, c'est trop large. Donc on a essayé de... Tu vois là je l'ai pris shot, mais regardez là celui-là j'ai pas su le choper. Donc voilà, la meilleure façon c'est vraiment de se mettre ici. Donc vous regardez si ça spawn. Si y en a aucun qui passe, là il y en a aucun qui passe, donc c'est bon. Regardez, là il y en a un qui est passé, donc je monte un peu plus. Comme ça je suis sûr qu'il passe pas. Vaut mieux être trop haut que trop bas. Voilà, là il est pas passé. Donc je reste comme ça, je bouge plus. Donc bien sûr je mets ma sensibilité à faible, donc je la mets à 1. Pour être sûr que mon joystick droit, s'il bug, ne bouge pas de gauche à droite, parce que sinon ça va vite faire fail le truc. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Le résultat, franchement, il est vraiment ouf. On va monter en classement super facilement. C'est un super glitch. Regardez, là, il y en a un qui est passé. Donc je remonte encore un peu. Dès que vous envoyez un passé vers le haut, vous montez votre curseur vers le haut. Et si c'est il y en a un qui passe vers le bas, vous descendez votre curseur tout simplement. Il faut trouver le juste milieu. Vous avez vu, je vous parle en même temps, la manche, elle passe. C'est vraiment hallucinant. Donc vous pouvez faire des clés en illimité, bien sûr, de cette façon. Mais bon, je ne vous conseille pas de monter à la manche 400, parce qu'à partir de la manche 100, vous gagnerez plus de clés. À la manche 100, vous ne gagnerez pas plus de clés que si vous en faites 200, 300, 400 manches. C'est le même nombre de clés. Si jamais ça vous fait gagner des XP en illimité, voilà. Des rounds en illimité et tout ça et tout ça et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.